Lieutenant Ramsay, j'ai appris que tu étais disposé à m'aider. Oui. Quel sera le prix que tu me paieras? Si tu me dis ce que je veux savoir, tu repartiras d'ici couvert d'or. Mais si tu mens, si tu me trompes, tu mourras. Je suis venu te voir de mon plein gré. Alors, aie confiance. Permets-moi quand même de te montrer quelque chose qui t'encouragera à me dire la vérité. Regarde. Dick, pour l'amour du ciel, sauve-moi. C'est atroce, je n'en peux plus. Dis-moi la vérité. Où est le dépôt d'armes et je te libérerai. Je ne lui ai pas dit où il est. Ne lui dis rien. Ne dis rien, Dick. Je ne tiens pas à subir tes tortures. Je ne suis pas un héros, Reginald. Non, ne dis rien. Ce serait une trahison. Ne dis rien, ne trahis pas, Dick. Dick, ne trahis pas. Tu as compris? Il ne résistera plus longtemps au supplice de la goutte d'eau. Je dois savoir où est le dépôt d'armes et de munitions. J'en ai besoin, il me les faut. Pourquoi le torturer maintenant que je suis prêt à tout dire? Lieutenant Ramsay, je tiens à faire un recoupement entre ce qu'il dira et ce que tu diras. C'est très compréhensible. Mais est-ce que tu ne me tueras pas quand je t'aurai tout dit? Je serai pour toi un témoin dangereux. Tu es venu me voir à risques et périls et de ton plein gré? Je n'ai plus qu'à m'en remettre à toi. Mais si tu crois qu'avec ces armes, tu imposeras le culte de l'éléphant blanc, tu fais erreur. Cet éléphant est le symbole de ma secte. Il a la puissance, la persévérance, la patience. Comme tu peux le voir, il est enchaîné. Mais quand il sera fatigué d'être captif, il se libérera. Et rien ne pourra lui résister. Tous ceux qui tenteront de s'opposer à lui seront impitoyablement écrasés. Tous les autres cultes seront abolis. Il n'en existera plus qu'un, celui de l'éléphant blanc. Alors, Parvati, ça va? Hein? Allez. Mon cher prince, as-tu réfléchi? As-tu enfin te décider à obéir à notre maître? Va-t'en. Je t'ai dit que jamais je n'obéirai à cet immonde assassin. Alors tu devras mourir. Chien. Crois-tu vraiment que j'ai peur de la mort? Mais tu mourras sous les yeux de ta sœur Dara. Elle est entre les mains de Bramu. Dara? Oui, elle est maintenant décidée à servir notre secte et elle obéit en esclave fidèle à mon maître. Tu mens. C'est pas vrai! C'est pas vrai! Tu mens! Ce n'est pas vrai! Elle n'est pas ici! Ce n'est pas vrai! Tu mens! Prince Parvati. Je suis là, Prince Bharad. Toi? Mais comment? Je t'avais pourtant confié Dara. Nous avons été trahis et capturés, Prince. Ça n'a plus d'importance, d'ailleurs. Il faut nous préparer à mourir. Vous ne mourrez pas. Je vous sauverai. Je vous sauverai. Et que peux-tu faire, mon ami? Allez, 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 allez.
pitié. Pitié. Silence ! Mes amis, cet homme a renié sa religion et commis un sacrilège. On l'a surpris en train de forcer l'entrée du trésor sacré de notre temple. Quelle peine mérite-t-il ? La mort ! 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 Bramule, jetons-le sur le feu sacré de l'autel. Par soif de l'or, ce misérable allait commettre le pire des sacrilèges. Nous allons définitivement étancher sa soif. Oui, oui, la mort ! Je ne veux pas mourir ! Je ne veux pas mourir ! Pitié ! Ayez pitié de moi ! Laissez-moi ! Je veux vivre ! Non ! Non ! Tuons-le ! Tuons-le ! Tuons-le ! Allez. Est-ce que l'or est fondu ? Non, pitié. Oh non ! Oh pitié ! Pas ça, non ! Bramule ! Bramule, je t'en prie ! Oh non ! Non ! Oh non, c'est pas ça ! Non ! Non ! Je ne veux pas mourir, non ! Je ne veux pas mourir, non ! Pitié ! Ah !